Parce que si tu pars sans mon numéro... Ah oui, non, c'est clair. Bon, mais écoute, c'est parfait. Et moi, je te dis à tout à l'heure, alors. Ça va, c'est à bien. Tout à l'heure. Allez, ça va. À tout à l'heure, au revoir. Ça va. Putain, c'est vraiment une galère, hein. Tu vois tout ce que je fais pour toi, là. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as écrasé les martiens? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur, vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo, comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao. Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et pour celle-ci, je suis avec mon poteau Une Vie, qui fait aussi... Doucement frérot. Ah, pardon, Donc sa vidéo s'affiche juste ici, son logo s'affiche ici. Et pour aller voir sa chaîne... Vous pouvez aller dans la description, il fait un peu de tout. Il fait des vidéos avec des michetots, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Allez voir sa chaîne, c'est top. Aujourd'hui, donc, j'ai fait appel à mon ami parce qu'on nous a signalé une personne qui coupait les freins des trottinettes. Il y a beaucoup de trottinettes en libre-service sur Marseille, mais il y a certaines personnes, apparemment, à qui ça ne plaît pas. Et donc, ils s'amusent à couper les freins pour que les gens, quand ils prennent les trottinettes, se maravent avec ou se fassent mal ou je sais pas, j'ai aucune idée. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Mais en attendant, il y a des gens qui coupent les freins de ces trottinettes. Et aujourd'hui, on va tenter de tomber sur eux et de les piéger. On va se rendre dans un endroit où les trottinettes sont présentes et où il y a déjà eu des coupures de freins pour voir si quelqu'un passe et pour voir si on tombe sur le fameux coupeur de freins de trottinette. Bref. C'est parti. Donc là, on est sur la trottinette en question. Trottinette de marque Bird. Il n'y a pas de... Non, les freins sont là, c'est ça les freins? Ouais. Ouais, pour l'instant. Les freins ne sont pas coupés. Tout est bon. Et voilà. Ouais, ça a l'air nickel là pour l'instant. Franchement, elle a l'air bien là. Donc on va se remettre, on va se recacher. Et on va attendre, s'il faut attendre toute la journée, on attendra toute la journée. Ça doit être un mec qui en a marre de voir des trottinettes garées devant chez lui ou un délire comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, celle-là, elle n'est pas coupée. Donc on va attendre et on va voir si quelqu'un vient la couper comme on nous l'a signalé. On nous a même envoyé des photos, donc c'est pas des conneries. Si on est là, c'est pas pour rien, on a eu des preuves. On va voir si ça se reproduit. Quelqu'un qui arrive, faut voir si elle va faire quelque chose ou pas. Parce qu'il n'y a pas grand monde en plus ici, c'est ça, il y a du passage mais... Non, rien à voir. Non, bah écoute. Hors caméra, il y a un mec qui arrive, en plus c'est une jeune. T'as vu, il a regardé la trottinette, mais là, il fait. On va bien tomber dessus, à un moment donné. Les gars, je vais mettre la trottinette un peu plus au milieu, histoire qu'elle gêne bien le passage, tu vois. Voilà. Au moins, là, elle gêne vraiment le passage. Et on va voir s'il y a des gens qui marronnent comme ça. Attends, je sais pas si tu le vois sur le trottoir, il y a un mec. Essaye de prendre à gauche. Essaye de le prendre, si tu l'as. Ah, je l'ai entendu marronner, je crois. Ouais, il a l'air bizarre, hein. C'est bon, alors attends, peut-être qu'il va la prendre, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il va juste la prendre pour partir avec, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est lui, on a notre homme, c'est lui, c'est sûr. Mais attends, on va le laisser aller jusqu'au bout, t'inquiète pas, après j'y vais. Il a une pièce coupante. Ouais, c'est une pièce coupante qu'il a donné, mec? Ouais. Tu es sûr? Je crois. Qu'est-ce qu'il fait? Essaye de faire un zoom dessus, s'il te plaît. Ouais. Il est en train de couper là. Il coupe, c'est un culé. Regarde, t'as vu? Putain, vas-y gros. Attends, là il continue, mais il y a une femme qui arrive. Gros, il galère. Ça fait au moins une quart d'heure qu'il est dessus. Surtout qu'il agresse pas ou quoi la femme, parce qu'il a l'air bizarre, vraiment. Il est chelou. De toute façon, on est là, s'il y a un truc. Attention, regarde. Hop, il fait semblant. Hop, il s'arrête. Il s'arrête, t'as vu? Mais il fait celui qui regarde la trottinette. Regarde la femme, regarde la femme qui regarde, tu vois. Ça va, il a plus peur d'elle que... Ah ouais, non mais c'est une trompette. Je veux pas... Ok, il continue. Putain, on entend les avions. Hop, il a réussi. T'as coupé il a réussi, oui, il a enlevé le truc, il l'a jeté. Non. Ouais, il l'a jeté, c'est bon. Voilà, plus de fringues.
Hein. Là, vas-y, attends qu'il parte et on va le... Ah, là, il range son... Ah, ouais, c'est ça. C'est lui, mais c'est sûr. Putain. Attends, t'inquiète. Tu sais quoi, il va prendre pour toutes les autres trottinettes qu'il a coupé. Vraiment, je sais pas ce qu'il fait dans sa vie pour faire ça. Je sais pas, frérot. Je sais pas. On fou, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Eji. Jette la trottinette sur la route. Vas-y, viens, on va la récupérer. Viens, on va la récupérer. C'est quoi? Vas-y. Ça va trop, faut l'enlever. Hein. Mets-la sur toi, je vais le choper, moi. Viens avec moi. Reste avec lui, tu me fous de loin. Reste là. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Vous habitez ici? Ouais. Parce que j'ai vu une trottinette cassée là. Ouais. Et en fait, je voulais l'utiliser, vous savez pas qui c'est qui fait des trucs comme ça? Non, je sais pas. Non? Non, je sais pas du tout. Mais vous avez pas vu là? Il y avait la trottinette sur la route? Non, monsieur, je suis pressé, j'ai un rendez-vous et tout. Bah, désolé, elle est cassée, monsieur, je peux rien y faire. Ça va? Ça va. Ouais, monsieur, bonne journée. Bonne journée. Ah, dis-moi! C'est sûr. Tu es toujours autant pressé si je te dis que je t'ai vu couper les freins de la trottinette et la jeter sur la route? Et en plus, je t'ai filmé. Ouais, alors sois pas trop pressé, un conseil. Hein? Tu vas faire quoi? Comment je fais? Tu vas faire quoi? Avec ta caméra? Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu es en train de faire le bruit? Qu'est-ce que tu vas faire? Et alors, tu vas faire le bruit? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu envoies une trottinette au milieu de la route, tu coupes les freins, mais tu t'es pris pour qui en fait? Et alors, elles sont toujours sur le trottoir, ça casse les couilles. C'est quoi cette caméra là? Qu'est-ce que tu vas faire? Reste tranquille. Écoute, on n'est pas là pour faire la violence. Je t'explique. Tu habites ici? Ouais. Pourquoi tu fais ça alors? C'est quoi là? Elles sont toujours en plein milieu. Le trottoir, déjà qu'il est petit, il est étroit, elles sont en plein milieu. Mais tu es obligé de couper les freins? Je comprends pas, tu la prends, tu la déplaces si elle est un peu mieux. C'est quoi? Je comprends pas. Tout le trottoir, il est étroit. Je peux pas m'amuser à la déplacer, sans faire et tout. Mais frère, tu prends plus de temps. Mais ça te fait perdre moins de temps de la déplacer que de couper les freins comme tu fais, frérot. Mais alors? Quand il envoie au milieu de la route comme ça. Mais c'est dangereux. Non seulement l'envoyer au milieu de la route, bon ça allez, on passe, mais couper les freins. Un mec, il fait pas attention, un enfant. Il fait pas attention, il prend la trottinette, il s'en va, il veut freiner, il peut pas freiner. Il se mange à cause de toi. C'est encore plus dangereux. Tu réalises ça? Eh non, mais souffle pas, c'est la vérité. Souffle pas. Souffle pas, poteau, parce que ça, c'est destruction de matériel public. Tu peux prendre l'amende pour ça. Tu es quoi? Tu es Superman pour faire la morale comme ça? Mais je suis pas Superman, mais moi, si j'ai un enfant, demain, il prend la trottinette, il se mange avec, je viens, je te charcute après. Tu comprends ça ou pas? Eh oui. Écoute, c'est simple, hein. Regarde. Tu habites là? Ouais. D'accord. On sait où tu habites, on a ta figure. Maintenant, je t'explique, frérot, c'est simple. Soit on continue à parler comme ça et on sait pas où ça va aller. Ouais. Soit on se casse, on mène les images au commissariat ou on met les images sur internet avec ta figure. Soit on trouve une autre solution. C'est toi qui vois. Moi, je vais pas chipoter 20 ans. La trottinette maintenant elle est cassée. Viens, on va la trottinette. Viens. Et tu peux partir, hein. Moi je te retiens pas. Hein. Tu peux partir. Ouais, c'est bien. Bravo. Bravo. Mais bravo. Tu as que ça à faire. Hein. Bravo. Donc, moi, là, je prends n'importe qui, hein. Que ce soit mes enfants ou n'importe qui. Il vient, il prend la trottinette électrique. Il voit pas ça, tu vois, il voit pas, parce que ça se voit pas, on fait pas attention. On la prend, le minot, il prend, il va sur la route avec, sur la route, il va sans les freins, et il se mange avec. À cause d'un c*** comme toi, parce que les trottinettes, elles prennent trop de place sur le trottoir. C'est ça, en fait, que tu es en train de me dire. C'est ce que tu es en train de me dire, là. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc moi, je te dis, mon petit cousin, il s'est mangé avec ça. Il s'est mangé à cause de tes conneries. Ouais. Alors, on fait quoi, maintenant? On fait quoi? Je te la fais manger, je te la mets dans la bouche la trottinette, on fait quoi? Dis-moi. Ah, c'est bon, on va pas jusque-là. On va pas jusque-là. Pourquoi? On va pas jusque-là, c'est bon. Quoi? La personne qui l'a prise au final. Je vais la prendre. Et les autres que tu as coupé? C'est pas la première fois que tu fais ça? Non, c'est vrai. C'est la première fois ou c'est pas la première fois? Pas la première fois. Alors sois honnête, ça fait combien de fois que tu le fais ça? Pas mal de fois. Bon, poteau, comme je te l'ai expliqué, il y a deux solutions. Il y a la solution 1. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Je suis obligé avec un guidon comme ça. T'es pris pour passe-partout, quoi. Avec les clés. Donc, alors je refais. Il y a solution 1. On ne fout pas ton visage et tu peux partir. Ou solution 2, où on fout ton visage et tu viens avec nous et on trouve un arrangement. Tu choisis quoi? Je prends la solution 2. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Ok, alors dis-le à la caméra s'il te plaît que tu choisis l'arrangement 2, vas-y. Je choisis l'arrangement 2. Ok, donc il choisit l'arrangement 2, pas de problème, on va lui faire l'arrangement. Bon les amis, on est à 20 km de là où on était, donc à 20 km du domicile de la personne qui coupait les freins. Et vous l'avez entendu, hein, il voulait un arrangement. Voilà l'arrangement. La solution 2, elle est là. C'est la solution, tu as choisi solution 2. Ouais. Donc solution 2, c'est ça, voilà, tu vois. Donc on lui a mis la trottinette qu'il a coupée, hein, voilà, vous voyez, les freins sont coupés. On lui a mis la même trottinette, mais on lui a scotché les mains à la trottinette. Et là, il peut pas aller loin. Sachant, faut savoir aussi que tant qu'on ne déverrouille pas les trottinettes, vous devez le savoir, les roues sont bloquées. Donc ça veut dire que même comme ça, il ne peut pas rouler. Regardez. Vous voyez, ça tourne très, très peu.
Donc on va le laisser en galère ici au milieu d'un champ. Et on va te laisser rentrer à la maison. Et la prochaine fois, par contre je te le dis, je rigole pas, la prochaine fois si on revoit ou si on nous rappelle en disant qu'il y a des trottinettes avec des câbles de frein coupés comme ça devant chez toi, on sait qui c'est. Bon ben on va le laisser. Bon courage. Ciao, à plus. Les gars. Ouais. Pour la vidéo. Hein? Pour la vidéo là, c'est pour les vues. De quoi? C'est les belles là. Hein? Est-ce que tu crois qu'on fait des trucs pour la vidéo, nous? Non, non. Les gars, t'es chez moi les mecs, j'habite à 20 km. Non. Tu crois que c'était que pour la vidéo? Bah ouais. Mais non. Les gars, tu te démerdes, tu rentres avec la trottinette, frère. Il cabre de la roue avant, frérot. Regarde, regarde la roue avant, regarde là. Oh putain. C'est quoi? Viens, on l'aide au moins à se mettre debout. Non, non, mais il y arrive tout seul, regarde. Ah ouais? Non, les gars, t'es chez moi? Non, 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 mais t'es. T'as pas? Regarde la roue bloquée, regarde. Vas-y, c'est d'avancer, faut qu'on voie la roue arrière se soulever. Regarde la roue arrière se soulève. Regarde. Regarde la roue arrière. Regarde. Hop, hop, elle se soulève parce que la roue avant le bloque. Voilà. Bon, les amis. Donc, faites oh putain, il va. Impossible de faire le trou. Deux. C'est là-bas, on t'a dit. Là-bas, c'est là-bas chez toi. Demi-tour. Ah, il rend fou, gros. Il rend fou, vas-y, viens, on va là-bas, non? Il rend dingue. Ça, c'est. Bon, bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. La morale de cette histoire, c'est à chaque fois que vous prenez trop. Faites attention. Il m'a gonflé. Faites attention que les câbles de frein ne soient pas coupés. Parce qu'il y a toujours des fous, des mecs bizarres comme ça. Au final, après, ils restent accrochés aux trottinettes, scotchés. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, comme il s'en va. Mais comme il part, quoi. En traînant la trottinette, quoi, alors qu'il devrait être dessus. C'est cake. Il est rentré chez lui. Ah, les gars, on était sur la route. En train de rentrer, regardez qui on croit. Regardez qui on croise sur la route, putain, incroyable.